Yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale tuto de produits de Minecraft. Donc voilà, on est dans mon petit coin à cocon que tout à l'heure je vais faire une vidéo plus tard, un grand tour quand j'aurai mon contour, pardon, quand j'aurai fini. Donc je vais vous faire montrer mes produits de Minecraft et j'ai tout ça et encore, donc voilà. Et je vais vous faire montrer et parler un petit peu si ça me convient ou pas. Donc on va parler, donc c'est un petit pinceau pour le fond de teint qui c'est celui-là. Donc celui-là je l'aime trop et il permet aussi de bien velocher au niveau de la peau et il est trop cool. Et voilà. Et celui-là je l'avais acheté à Primark. Et voilà. Et aussi j'ai un gros pot de pinceaux de Minecraft et que j'utilise. Donc il y a toutes sortes de pinceaux. Donc vous voyez. Et il y en a que j'en ai acheté sur Amazon, sur Wish et sur AliExpress. Donc voilà. Cette palette là de 72, donc elle est multicolore, je l'utilise beaucoup et je les utilise beaucoup mais pas trop en ce moment. Donc voilà, et je l'ai acheté à Stokomanie, donc ça fait un moment donné que je l'ai cette palette et je l'adore trop. Donc aussi je vais vous parler aussi de une autre palette qui vient de chez Primark. Donc celle-là je ne l'ai pas achetée, on me l'a donnée, vraiment on me l'a donnée. Et désolé qu'il y a un soin un petit peu sale, mais voilà les teintes de cette palette de Primark et je l'utilise vraiment vraiment parce que là il y a des couleurs que je m'utilise beaucoup plus et vraiment ça va bientôt être fini, donc j'espère que je vais encore le finir. Donc aussi je vais vous parler les fonds de teint en poudre qui vient de chez Primark. Donc je peux les ouvrir mais le problème c'est qu'en fait il y aura de la poudre partout. Donc c'est le porcelet. Donc c'est le porcelet celui-là que c'est 2,50€ à Primark. Et vraiment je les adore. Et le Ghoul Sander et il a Primark celui-là aussi. Donc celui-là on va commencer à l'ouvrir. Donc je puisse vous faire montrer un peu la couleur. Voilà, j'évite de faire tomber tout. Donc voilà. Et celui-là, c'est le porcelet, la couleur porcelet. Et j'adore trop. Et ils sont tellement bien. Quel problème ? Je pense qu'un jour je vais les donner parce que en fait c'est bien l'application, mais quand c'est vraiment des pots comme ça qu'on applique, il y en a partout en fait à chaque fois. Donc il faut que j'achète des poudres compactes, ce serait mieux, et il faut que j'aille voir si je peux en trouver des poudres compactes. Et ça c'est très bien, très très bien, mais le problème quand je vous servez, il y en a partout, ça s'envole, ça s'envole. Et là voilà, j'en ai sur la table et rien que j'ai ouvert, rien que voilà, ça m'a mis partout. Donc voilà, ça c'est un truc pour les anti-cernes et pour éliminer votre nez et tout. Donc ça je l'ai acheté à Wish, mais ça fait très longtemps et je m'en suis en servi. Et je crois que celui-là je me suis déjà... Ah oui, je me suis en servi pour faire les tutos de maquillage sur Halloween. Donc veuillez regarder sur
mon compte de YouTube. Vous allez voir cette palette là que j'avais déjà utilisée pour le tuto de Halloween 2020. Mais celle-là, je crois bientôt je vais la mettre à la poubelle parce que bon, ça fait un moment. C'est vraiment, ça sent pas très bon. Et bon, je pense que je me rappelle, j'avais déjà quand j'ai enlevé le maquillage, j'avais une réaction. Donc je crois que celui-là je vais le mettre à la poubelle. Donc je vais mettre ce côté-là, hop, poubelle. Donc voilà, mais même c'est dommage, mais comme ça fait longtemps, je vais pas prendre de risque. Donc je vais parler à mes fringues teint liquides. Alors j'ai acheté ces fringues teint-là à Primark. Et je crois que j'en ai un que je vais donner à une personne. Donc celui-là c'est couleur... je crois que c'est la carré. Hein. Non, ça c'est Golden Center. Soit c'est Golden Center ou soit c'est. Non. Ouais, c'est Golden Center celui-là. Celui-là c'est Golden Center. Vraiment, je peux vous faire montrer. Je ne vais pas lancer là parce que j'ai des petits boutons. Donc celui-là c'est un fond de teint un petit peu plus clair. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair. Et celui-là, je l'utilise beaucoup, vous voyez, il n'y en a presque plus. Donc celui-là, c'est un petit peu plus clair. Mais c'est parfait, c'est très parfait en hiver et quand il fait pas très beau. Celui-là, c'est le porcelet. Je viens de l'acheter, il coûte 4€. Et je crois que c'est pareil, hein. Je crois. Hein. Attendez, je suis en train de l'ouvrir. Donc là lui c'est porcelet, donc je vais le mettre comme ceci ici. Lui aussi il est un petit peu plus clair. Donc celui-là je vais stopper pour l'instant, je vais le mettre de côté. Et je stopper, ça veut dire que pour l'instant je vais pas le mettre. Je vais tester celui-là, c'est le porcelet. Ouais, la couleur elle est trop bien porcelet. Ou soit si je ne me sers pas celui-là, ben je vais donner. Je vais donner à ma soeur. Donc voilà. Et puis voilà. Donc l'autre c'est, je ne me rappelle plus, mais c'est un teint très foncé. Je l'avais utilisé pour ouais, ça ne cause pas du tout ma couleur. Vous voyez, celui-là c'est avec celui-là. Et je crois que je vais donner à ma voisine. Je vais donner à ma voisine parce qu'elle s'est sentie sur son teint. Voilà. Et je préfère, moi je préfère ces deux-là. Mais je pense que celui-là, maintenant, je vais le donner peut-être à voir et à essayer. Merci, je suis obligée de prendre des lingettes de maquillage. Donc, quitte à acheter des lingettes et des maquillages bas de gamme, c'est la même chose. Hein. Finalement, ça me fait pas mal à la peau. Je vais enlever tout ça. Voilà. Alors, par contre, j'en mets partout, mais bon, c'est normal. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Lui, ça fait un moment donné que j'ai pas utilisé. J'ai utilisé très peu. Mais je vais donner à une personne, peut-être ma voisine ou une autre personne. Donc, ça, c'est les fonds teint liquides qui vient de Primark. Et c'est 4€. Oui, c'est 4€, un seul fond de teint que j'ai acheté. Et on va passer maintenant au mascara. Donc ce mascara, je l'ai acheté celui-là, Clea Blush. Je l'ai acheté à Primark. Et je vais voir si ça c'est sec ou pas.
à mon avis. Bon, à mon avis, je vais garder un tout petit peu celui-là. Et celui-là, c'est waterproof. Il n'y en a plus, donc c'est poubelle. Cette poubelle, donc ça fait longtemps. Ces fontaines-là, c'est pas ces fontaines, mais ces mascaras-là, je l'ai acheté à Stokomanie. Je crois 2 euros ou 1 euro quelque chose. Et voilà, c'est waterproof. Donc ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Donc celui-là et celui-là, c'est la même chose. Et lui, l'autre, c'est pas la même chose. C'est un son différent. Donc à tester. Donc celui-là et celui-là, j'ai déjà testé. Ils sont trop bien. Donc celui-là, c'est à garder. Celui-là, c'est à la poubelle. Oui, j'ai aussi testé ce poudre matifendre. Celui-là de Sephora est vraiment hyper hydratant, matifiant, super mat. Et je pense ça a été utilisé après l'application de peau propre, sèche, en ensemble de visage, du coup, utilisé comme base de maquillage. Donc celui-là, je l'avais déjà utilisé, mais bon. Mais bon, je l'aime pas trop. Donc je vais donner à quelqu'un. J'aime pas trop. Celui-là, c'est ça. Ça, c'est gommage. Non. Ça, c'est le gommage de Sephora. Et je vais le donner. Je l'ai pas utilisé, mais j'aime pas du tout. Mais parce que je l'ai eu. Celui-là, je l'ai eu sur le calendrier d'avant de Sephora. Ah oui, ça c'est un correcteur. Pour mettre comme ça et comme ça et comme ça. Voilà, ça c'est un correcteur que j'ai acheté chez. Oui, en plus, un contouring correcteur, c'est pareil. Je l'ai acheté à Primark, 4 euros. Donc, on va passer. Ça c'est pour un correcteur, mais pour les comment dire, les rides et tout, et pour cacher quand vous êtes fatigué ou avoir une bonne mine. Ça c'est voilà. On va passer par les rouges à lèvres. Et tout ça. J'en ai plein. Ça va rester longtemps et tenir de 24 heures. Si je le mets, voilà, ça va plus partir jusqu'à 24 heures. Donc c'est des feutres comme ceci, une couleur violet, une couleur mat mauve. Et moi, je vois que, je crois que c'est sec. Hein. Ouais. Bon. Je crois que je vais en jeter à la poubelle. Parce que ça commence à être sec, les mines. Donc voilà. Et c'est très bien quand vous sortez très longtemps et que vous mettez ça. Et vraiment, c'est top. Je les adore, ces crèmes-là. Et je les ai achetées à un Thermaché. Et c'est une copine qui m'a dit de prendre ça. Et elle avait déjà testé. Donc j'ai suivi son conseil. Et il y a ces couleurs-là. J'espère que vous allez voir. Et c'est rouge à lèvres Nancy, résidence d'épines Nina Pen. Comme ceci. Et je les adore trop, donc je les garde. Donc ça. Et ça. Cela. J'ai acheté sur un coffret à Primark avec des crayons à lèvres
mais je vais pas aller vous faire montrer, vous savez, c'est les mêmes teneurs, les mêmes couleurs et mêmes teneurs. Donc je vais pas aller vous faire montrer, mais je les ai, mais je vais pas aller vous faire montrer pour gagner un gain de temps. Donc je vais vous montrer la couleur sur ma main. Donc le premier, c'est celui-là. Donc c'est un rose clair. Voilà, c'est celui-là. Voilà, quitte à faire un peu plus gros pour que vous puissiez voir, il n'y a pas de problème. Voilà, celui-là c'est le numéro 1 qui est sur moi. Donc celui-là je le garde. Ce numéro 2, c'est celui-là. Oh là là, lui, je le kiffe, je l'ai déjà porté. Oh, il est trop beau, vous voyez, il est trop beau. Oh, il est trop beau, je le garde. Et même si mon mari, des fois que je le mets, mon mari il est pas trop d'accord, mais moi je préfère le garder et il est trop beau. Donc on va passer le troisième, c'est, je pense, c'est un bordeaux marron, je crois. Et oh, je l'ai jamais testé, mais regardez, il est trop, elle est trop belle la couleur, et elle est trop belle, je la kiffe grave cette couleur là. Et puis voilà, on va passer au rouge. Ah, le rouge, oh, en plus il sent bon. Oh, ça sent trop bon. Donc le rouge il est ici et c'est celle-là. Je vais garder le 1, 2, 3, 4, le cinquième, c'est celui-là. Le cinquième, c'est celui-là. Je vais le garder. Il est trop bien. Je ne l'ai pas encore mis et pas encore testé. Quitte à le tester plus tard pour présentation de vidéo. Celui-là, c'est un marron. Celui-là, je vais le garder quand je vais le garder, mais bon, quitte à garder ou à donner. Je sais pas pour l'instant, mais je vais le mettre de côté pour garder pour l'instant. Donc Sephora, maintenant les rouges à lèvres de Sephora, ils sont ici. Donc c'est ces teintes là, je les adore trop ces teintes là. Donc on va passer pour Sephora. Sephora, je vais mettre vers le haut. Donc c'est un violet. Oh, je kiffe. J'ai déjà mis un. Il est trop beau. Et puis ça sent hyper bon. Donc le violet, c'est celui-là. Il est trop beau. Et je le kiffe à mort. Après, il y a une autre couleur. Donc c'est rouge à la volonté, transfert métal. Et cylindre satin. Il est trop beau. Il est trop beau le métal. Donc il est là, ce rouge à lèvres que je tiens à la main, il est là, il est trop beau. L'autre rouge à lèvres, je l'ai eu sur le calendrier d'avant, donc il m'a pas coûté, il m'a rien coûté. J'ai acheté le calendrier d'avant 34,99€ et j'ai eu ce rouge à lèvres là, le rouge. Oh, il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Donc ce rouge là, il est là et il est vraiment top. Je l'adore. Donc on va passer les rouges à lèvres de et Sephora. Et aussi Sephora, il y a ce rouge à lèvres là. Je vais vous mettre ici. Il est là et je l'ai jamais testé. Mais je pense que je vais donner à une personne. Parce que c'est pas vraiment mon teint. J'aime pas trop cette couleur-là.
Donc on va passer à nos cibles. Donc on a un marron métallique comme ceci. Il est top, trop top. Donc il est là, le marron métallique, il est ici, il est trop top. Donc on va passer celui-là, je l'adore, je le mettais beaucoup en Maroc. Je le mettais beaucoup parce que c'est un gloss qui est très foncé et il est nude. Il est convient vraiment pour faire les photos. Je faisais beaucoup de photos. Et celui-là, il est trop top et je le mettais beaucoup au Maroc, mais je le mets pas beaucoup en France. Et comme je vais chez mes beaux-parents et comme c'est un petit peu plus discret, bah je mets celui-là et je me maquille même au Maroc. Donc voilà, mais je mets pas des couleurs trop voyantes. J'essaie de mettre des couleurs un peu pas très trop voyantes. Qui de temps en temps met des couleurs trop voyantes, c'est pas grave, mais je préférais plus celui-là. Et ces rouges à lèvres, je les ai eus sur le calendrier d'avant de Stokomanie et je l'ai jamais testé pour l'instant parce que je viens les avoir il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Donc ce rose là, il est ici, je l'adore. À tester, hein, j'ai pas encore testé. À tester. Et le dernier, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est à tester, je vous promets, je vous ferai une vidéo, vous dire s'il est bien, s'il est pas bien, donc voilà. Ah oui, et aussi j'ai eu des fards à paupières sur les calendriers d'avant. J'en ai eu tellement plein que peut-être c'est à tester, voilà. Donc c'est c'est des fards à paupières comme ceci. Donc voilà, pailleté, il y a du noir, mais le noir je vais le donner. Ce noir là je vais le donner, j'en ai déjà assez de noir déjà. C'est à donner. C'est à tester, mais je vais voir si je le garde ou pas, mais c'est à tester. Apparemment il est très bien, mais bon, je sais pas si je le garde ou à donner, je vais ça de côté. Ça c'est un fard à paupières de Sephora, donc il y a un calendrier avant. C'est à tester. Et si je l'ai déjà paré, bah, je vais le donner. Ça c'est le même, donc c'est à donner. C'est à donner. Ça c'est à tester. Donc, voilà cette couleur là, c'est à tester. Et c'est un bleu. Je suis pas trop sur les bleus. Donc, il est très beau, mais bon. Donc je reprends, donc celui-là c'est à donner, ça c'est à tester, c'est à donner parce que j'ai pas envie de tester. J'ai aussi des rouges à lèvres comme celui-là, je vais donner. Celui-là je le garde pas, je vais donner parce que j'aime pas ces trucs là, j'aime pas du tout. Ça je l'ai testé, mais le vernis j'ai testé mais je l'aime pas du tout, donc je vais donner quelqu'un d'autre. Le make-up, ça c'est un petit mascara, donc je vais le donner. Ça c'est à donner. Ça c'est, je crois, c'est un
Oui, c'est un mascara. Ça, c'est un mascara de Nocibé. Je vais le donner. J'ai déjà testé, mais bon, il est sec. Je pense qu'il est sec, hein. Mais je sais pas s'il est sec et un peu potable, mais je vais le donner. Ça, c'est un liner. Bon, ça, c'est un liner. Et je vais le garder quand même, on sait jamais. Je vais le garder quand même, on sait jamais. Ce dernier là qui est son maison, je l'ai testé et vraiment je l'aime pas du tout, ça tient pas, ça vient dégueulasse. Et vous voyez, c'est le même rouge à lèvres que sur le vernis sur maison, je l'aime pas du tout. Et c'est, en plus c'est la marque de Sephora, je déteste les vernis de Sephora, je les aime pas du tout. Donc je vais donner. Bien que j'aime trop. Et puis voilà. Donc ça, c'est un sérum éclat pour les vitamines. Et je l'adore trop celui-là. Je vais le garder. C'est à Sephora. Et je l'adore trop trop trop. Et aussi il y a le crayon à sourcil. Crayon à sourcil. Je sais pas si j'ai mis un sort. Oui. Ah, sourcil, j'ai déjà testé, il est trop 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 bien. Je le garde parce que voilà, c'est au cas où s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour ma soeur ou pour faire un maquillage. Mais voilà, je vais garder. Et puis voilà, j'ai voulu vous faire montrer aussi d'autres produits. J'ai eu chez mon fournisseur et je suis acheté ça pour tester et vous dire. J'ai pas encore testé, donc c'est pour ça que je vais vous faire montrer. Donc c'est des fards à paupières que j'ai pas encore testé, mais je les ai eu chez le fournisseur. Donc il y a cette couleur là, il y a cette couleur là, voilà. Et vraiment je les adore. Donc je dis pas la marque parce que sinon je vais me faire retourner contre la marque, voilà. Juste à les faire tester, voilà. C'est les trucs de mon fournisseur, voilà. Et s'il y a cette couleur là et ces couleurs là, je vous fais montrer un par un. Cette couleur là. Il y a cette couleur là. Il y a cette couleur là aussi que j'adore. Mais c'est que j'adore, mais je dis j'adore, mais j'ai pas testé. Donc voilà, voilà. Et voilà. Je vous fais montrer les couleurs et vraiment cette couleur elle est magnifique. Vraiment, c'est trop beau et c'est magnifique ces couleurs là. Je les adore. Donc voilà. Alors j'ai un autre d'autres produits à vous faire montrer. Donc voilà, j'ai ces produits là que je vous ai pas présenté, mais j'ai des produits comme ça. Et là je vais mettre tout dans la boîte.
Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo là. Donc n'hésitez pas de la partager, de mettre des likes et surtout n'hésitez pas aussi de mettre des pouces bleus. Mettez des pouces bleus, des commentaires, activez la cloche, abonnez-vous. Et puis je vais commencer à ranger ce que j'ai défait. Là je serai rangé. Donc j'espère que vous avez vraiment plu cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Et yo la famille, yo les amis, yo les abonnés. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Yo.